الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيسون إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qui lui donne nous la connaissance qui est profitable et les protège nous contre une connaissance qui n'a pas pour bénéficier nous. فين أعرف حديث 46 دبي 40 النووية. toujours nous lire حديث là ensuite nous quitte ban explication qu'il a pu donner. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. أبو موسى الأشعري رضي الله عن لجاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوفايل دا يمن. فسأله عن أشربة تصنع بها. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin pose les questions concernant ben, la boisson qui peut être fabriquée dans Yémen. C'est-à-dire quand il fin retourner. فَقَالَ وَمَا هِيَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, qui ça ben la boisson là ça? Alors, Abu Musa al-Ash'ari fin dit, الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. الو سديم ولا البتر والمزر فقيل لأبي بردة وما البتع الو ان بيسون فين بوز كيسيون سي كوا ان دو بناراتي دا سا حديث لا دا سا شين دو ترانسميسيون لا لي فين بوز كيسيون سي كوا البتع اي سي كوا المزر الو لي فين دي قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير الو البتع سي لا بواسون الكوليك كي فابريكي depuis du miel et al-mizru c'est la boisson alcoolique qui est fabriquée depuis l'auge. Faqala kullu muskirin haramun. Alors les findir tout quelque chose qui donne intoxication les haram. Hadith rapporté par Imam al-Bukhari. Alors ce hadith là, frère en islam, tu peux trouver ses concernants. C'est concernant la boisson alcoolique. Et en premier, nous guide narrateur de ce hadith-là, veut dire Abu Musa al-Ash'ari. Ce nom, c'est Abdullah bin Qais bin Sulaym bin Haddar bin Harb. Alors, c'est un grand sahabi, ça. Et Imam al-Zahabi, il dit Al-Imam al-Kabir, le grand imam. Veut dire, sahabi-là, il n'est pas un simple sahabi, il est paru un savant de ban sahaba. Et les dire, Imam al-Zahabi, les dire, les parmi ceux qui finissent apprendre le Coran directement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Musa al-Ash'ari, les connus pour ce joli lecture de Coran. Et aussi, Abu Musa al-Ash'ari, les tiennent sahabi qui tiennent aussi dans Basra, les tiennent enseignent ban jimoun dans Basra, les lient le Coran et les finissent la connaissance de din dans Basra. Et Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait du'a pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Allahumma ghafir li Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais, c'est Abu Musa al-Ash'ari. Il dit Oh Allah, pardonne Abdullah bin Qais, dhambahu, pardonne-lui ce ban péché. Wa adkhilhu yawm al-qiyama, mudkhalan karima, et fais-lui rentrer dans le paradis en façon honorable dans le paradis le jour du qiyama. Donc, ce sahabi-là, il y a un grand sahabi, comment on peut trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait du'a pour lui. Et ce sahabi-là, comme Imam al-Zahabi dit, « Hamala anhu ilman kathiran » les fins transmettent beaucoup de connaissances depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins faire djihad ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans l'époque de Omar, les gouverneurs de Basra, alors il y a un sahabi qui fin faire beaucoup pour dire à l'islam. Alors ce sahabi-là, il lui racontait les mêmes idées que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin envoyé dans Yémen. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin envoyé dans Yémen. Et quand il fin retourné, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin pose les questions concernant ban kitseuse, ban la boisson qui ban djimoun fabriquée dans Yémen. Et le trouvant une kitseuse encore là, c'est qui Abu Musa al-Ash'ari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé dans Yémen pour faire dawa, pour prêcher l'islam.
Et nous trouvons aussi qu'une leçon qui nous tirait, c'est que ben Sahaba, je suis obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et je peux exécuter le commandement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons aussi sacrifice qui ben Sahaba fin fait. Je viens quitter l'endroit, Madina, et je final aussi loin que ça, dans Yémen, dans le sud. Et ça, pour montrer que ben Sahaba, tu n'es pas oublié, ça quand tu as accompli sa mission. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pose des questions concernant ben, la boisson qui est fabriquée, qui peut être fabriquée dans Yémen à l'époque-là, ben, quelque chose qui ben, dit mon bois. Alors, il fin dit al-bitru ou al-mizru. Alors, l'étant, il fin dit sa parole-là. Il fin demandé à Abu Barda. Abu Barda, c'est un narrateur dans sa chaîne de transmission-là. Il pose question, c'est quoi Al-Bit'u et c'est quoi et Al-Mizru. Alors, Abu Barda, il fait dire Nabidhul Asal. Al-Bit'u, c'est du vin qui fait avec du miel. Et Al-Mizru, c'est du vin qui fait avec l'auge. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire Kullu muskirin haram. Tout. Ban quelque chose qui donne sous les eaux les haram. Tout quelque chose qui donne sous les eaux les haram. Alors ce haditha, comme on le fait dans Sahih al-Bukhari. Donc, qui ban quelque chose qui nous trouvait dans ce haditha, ban quelque chose qui nous apprend, c'est qui, en premier lieu, c'est qui, tout ban quelque chose, kullu muskirin haram. Tout quelque chose qui donne intoxication, les fendimoun PAD sur l'intelligence, ça c'est un quelque chose qui est haram d'après la charia. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, fin interdire la boisson alcoolique. C'est une quelque chose qui est connu, qui n'est pas une quelque chose qui est cachée pour personne. Ça, il est très clair que l'islam fin interdire la boisson alcoolique, mais seulement la boisson les fin être interdite par phase. Hein? Au commencement, il y a un verset du Coran de la Sourate An-Nisa, quand Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu s-salah wa antum sukara. Ou ben qu'un iman n'a pas approche avec la salate alors qu'ils sont dans l'état de soulaison. Veut dire que ça verset là, tu révélais la boisson alcoolique, pas encore ben intoxicant, pas encore être interdit. C'est juste interdit pour qui un demon quand il est dans l'état de soulaison, il n'est pas approche avec soi là. Donc soit là, tu finis prescrire la boisson encore alcoolique, encore peut être consommée. Les là, là, ça là, fin dire n'a pas boire, n'a pas approche la soi là dans l'état de soulaison. Les là, ben sahaba, ben qui tu peux boire. Tu peux boire avant que tu aies dormi. Comme ça, quand le matin, je me lève, je finis à jeun, je ne suis pas capable de faire la manche. Donc, nous comprenons par là la sagesse. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin, après Allah ta'ala fin révèle l'ayat du Coran, Innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam ridsum min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Certainement, ban khamr, ban la boisson alcoolique, le vin, maysir, j'ai du hasard, ban idole, ban flèche divinatoire, c'est ritsu min amali shaitan, c'est l'impureté depuis travail shaitan. Fajtanibou, reste loin avec lui, la'allakum tuflihoun, afin qu'ils gagnent le succès. Veut dire qu'après qu'Allah ta'ala inran du vin haram, et l'interdiction du vin, du ban intoxicant, cette interdiction-là fait une venue dans Madina. Et il y a des hadiths qui font mention que quand Allah ta'ala fait la boisson, ben intoxicant, ben haram, ben chemin de Madina qui inondé avec la boisson. Tellement ben sahaba, ben arabe, ça à l'époque-là, qui content boire, qui a beaucoup ben récipients qui peut garder la boisson alcoolique. Quand je gagne l'autre pour arrêter de boire, je ne zette sa ban récipient-là, je te contenu dans chemin, et chemin qui peut inonder avec la boisson alcoolique. Donc, nous trouvons que ben sahaba fin passe à l'exécution. Quand Allah Ta'ala fin de l'autre pour arrêter de boire la boisson alcoolique. Et aussi, nous trouve dans sa interdiction de la boisson alcoolisante, c'est ça montre nous qui dit dans l'islam une vini pour protéger ban djimoun, zot l'intérêt. Tout ban quelque chose qui Allah Ta'ala en prescrit, ou bien Allah en fait haram, là-dedans, il y a du bien pour djimoun. À cause ça, ban savant, je dis. Al-Sharia ja'at li jalb al-maslaha wa daf' al-mafsada. Sharia invini pour amener du bien pour djimoun et pour repousser dito de djimoun. N'importe qui la loi qui est capable de prouver que la Sharia fin apporté,
c'est quoi? Soit il permet un bien pour du monde, soit il repousse le mal des du monde. Donc, ça c'est la sagesse. Allah Ta'ala li al-Hakim. Allah c'est lui qui est sage dans tout ce ban la loi et n'en l'objectif derrière là. Et n'en hikma et sagesse derrière là. Et quand nous guettons, qui fait Allah Ta'ala li fin faire la boisson alcoolique vin haram, Allah dit innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha fil-khamr wal-maisir. Certainement Allah, certainement shaytan li envie met adawa, met l'ennemi wal-baghdha et la haine entre eux fil-khamr, à travers la boisson alcoolique wal-maisir et les jeux du hasard. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ et il y a envie d'étourner depuis le rappel d'Allah وَعَنِ الصَّلَاةِ et depuis la salat. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ est-ce qu'ils ont pour quitter cette chose-là? Donc Allah Ta'ala peut mentionner Al-Khamr avec Maïsir. Ça, dès quitte chose-là, c'est dès quitte chose qui fait du monde gagner l'ennemité. Quand du monde les boit, les bat sur madame, les laguer, les fait les diamants jurons. Les insulter, les mettre fausses accusations dans le monde, quand il perdit sur l'intelligence. Pareil dans le jeu du hasard, quand le monde joue et il perdit, alors qui peut arriver à l'ennemi? Quand 4-5 du monde mettent un pari, ils jouent pour l'argent, ça qui perdit là, il a la haine pour celui qui gagne là. Il y a une façon qui est comme si, les sentis qu'il y a l'injustice qui déroulait parce que l'argent n'est pas acquéri par le hasard. Donc, tout cela peut montrer nous une sagesse qui fait Allah Ta'ala infaire la boisson alcoolique vin haram. Et aussi, quand nous pouvons des hadith, un autre hadith qui montre nous gravité de prendre un intoxicant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La'anallahu al-khamr. Allah il maudit le vin, al-khamr. Et il rentre là-dedans toute petite chose qui fait perdre l'intelligence, pour analogie. Allah infaire. Il donne malédiction, il maudit al-khamr. C'est lui qui prend. Allah maudit du vin. Lui-même, ça, du vin-là, il y a une petite chose qui maudit ça. Allah, la'ana, Allah descend sur la'ana clou-là. Comment il est grave, ça? Il dit, il peut prendre une petite chose qui maudit, il peut mettre de sur l'écho. Wala'ana sha'ribaha. Allah, il maudit, c'est lui qui peut prendre ça intoxicant-là. Wasa'qiha. Et c'est lui qui peut servir ça intoxicant-là. Wa'asiraha. C'est lui qui presse raisin. Ou bien les autres quittes pour faire du vin. Ou à mu'atan siraha. Et Allah l'inmaudit, c'est lui pour qui ça, du vin là peut être fabriqué. Ou à ba'i'aha, c'est lui qui peut vendre du vin. Ou à mubta'aha, c'est lui qui peut acheter du vin. Ou à hamilaha, c'est lui qui peut sortir du vin. Ou à mahmoula ilayhi, c'est lui pour qui du vin peut être sortir. Ou à aki le famaniha, et c'est lui qui mange prix. Mange valet, veut dire. La vente, il prend profit depuis ce qu'il est vendu depuis le divin. Depuis divin. Alors, ça va en différentes catégories du monde. Tout le monde qui est impliqué avec sa quelque chose qu'appelle la boisson, intoxicant, l'immaudit pour Allah SWT. Il suffit pour nous guetter aujourd'hui des gars qui est né dans ce monde-là. À travers, nous prenons juste divin même, intoxicant, man la boisson que du monde prend. Combien de gars est né dans la société, juste pour sa quelque chose qu'appelle boire. Du monde boire. Li laguer, li battre sur madame, li vinet addict, li coquin pour li capable boire. Comme ça même, la drogue, si li rentre là-dedans. Tout ce qu'il appelle intoxicant, qui fait un dimon, perdit sur l'intelligence, li rentre dans ce qu'il appelle khamr. Get azodi, get combien dito peut être occasionné par tout ban kitseuse qui occasionne intoxication. Get combien dans la société, la famille, ban la famille brisée. Du monde là sur la santé fini, du monde là les coquins quand ils sont addicts avec la drogue, avec la boisson, les capables coquins sur propre maman, les capables battre sur propre maman pour les gagner casse, pour les droguer, comment les trouver, ma situation qui est réelle, les capables tuer sur propre famille pour les capables prendre l'argent pour les capables à le droguer, les coquins qui tirent de la case à le vendre, donc tout ça dit tout là et là, get the end la loi, à ce stade sinon elle prend ban bani statistiques, nous pas aller bani statistiques, mais bani statistiques qui fait à travers le monde qui ban problème qui ban intoxicant amené dans la société. Combien de problèmes il y a? En la loi qu'Allah Ta'ala a amené. Get combien du bien il y a là-dedans. Quand l'un fait haram, en quitteuse,
il fait haram pour nos propres biens. Et nous pouvons trouver qui dit à l'islam, dit à l'islam, il vient pour prothèse. Quand nous quittons la charia, charia, il a simple, cinq objectifs. Appelle ça maqasid al-charia. Charia, il vient pour prothèse, cinq choses. Premier, c'est les prothèses dînes. La loi de charia, les prothèses nous dînes. Les prothèses nous l'intelligence, les prothèses nous la vie. Premier charia, les prothèses nous dînes. Les prothèses nous la vie, les prothèses nous l'intelligence, les prothèses nous mal, nous dit bien, les prothèses nous descendance. Tout ban la loi charia, qui charia fait une prescrire, les vies, ça cinq l'objectif là. Les prothèses, ça cinq, après ça ban, doru ad-daruriyat ou l'khams. Cinq kitseuses qui sont nécessaires, sans lesquelles la vie n'a pas pour bon nous la terre. Dîme, protection la vie, protection l'intelligence, protection l'argent. Protection des descendants, après protection de l'argent, dit bien. Quand nous guettons dans l'alcool, dans la consommation de ban intoxicant, ça sent qu'il se a enlevé. Un dimon quand il boit, il n'est pas pour une adine dans le lit. Un dimon quand il boit, il n'est pas pour guetter. S'il n'arrive pas, il n'est pas addict là-dedans, mais de la vie, il n'est pas pour qu'on soit là. Dine enlevé de la vie. Pas une adine pour lui. Il y a un dîme qui maudit, comment nous trouver, Allah donne une malédiction. Donc, première question, dîme, aller de sur la vie. Deuxième, il peut faire dito sur l'écho. Un dîme qui les consomme, ça va une question qui est intoxicant, il peut détruire ce nafs. Il peut un suicide qu'il peut commettre, il est capable à long terme, il peut détruire sur la santé, il peut détruire sur la vie, sur la santé. Troisième, il peut détruire sur l'intelligence, il peut perdre l'intelligence quand il boit. Et bien, ça veut dire Al-Aqlu mana tout taklif. L'intelligence, raisonnement, c'est pivot de ban obligation. Si peine à l'intelligence, peine aucune obligation dans le monde. Un enfant, il n'est pas encore atteint l'âge de puberté. Peine aucune obligation dans le monde. Un monde qui vient fou. Peine aucune obligation dans le monde. Veut dire, toute obligation digne est attachée avec nos raisonnements. Mais ça dit mon ami que les peut prendre la boisson, les peut enlève son raisonnement volontairement avec ce propre la main, les peut enlève, veut dire digne détruire, les peut détruire ce racle sur l'intelligence. Et dit mon capable vient fou tellement les bois, les vient fou aussi. Donc les détruire cette troisième chose là, les détruire ceux enfants. Un dit mon qui boit, les pourquoi guette ceux enfants? Au contraire, sur la famille vient en bas là-haut, les pas quand les drogués. Il n'est pas cagé de ses enfants, il n'est pas cagé de sa madame. Donc, descendance aussi affectée, ben, les enfants affectés. Et dernier, sur l'argent. Les dépenses sur l'argent dans la drogue. Comme écouter, quand du monde les drogués. Donc, quand nous guettons la drogue, intoxiquant la boisson alcoolique, les détruire, ça cinq l'objectif là. Ça cinq choses que l'islam est venu pour préserver là, les détruire, ça cinq choses là. Nous comprenons pas là qui, ben, du monde qui peut faire travail. Pour combattre la drogue, c'est un grand travail que je peux faire. Les formes partie dans l'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ordonne le bien, empêche le mal. Bandimoun qui paye la guerre contre la drogue, bandimoun qui paye la guerre contre la drogue, qui peut occuper ban drogué, ça les formes partie dans dîme. Qui fait nous péter ça, ban frère et ban sœur? Parfois nous trouve un dimoun, moi si dans la case, moi fais programme là. Tous les jours, moi si je fais programme. Je vais enseigner la connaissance de Dine, alors je dévalorise les autres travail. C'est-à-dire, moi qui vais faire plus grand travail. Il n'y a aucun travail qui est égal à mon travail, là, l'enseignement de Dine. Alors je dévalorise, je dis non, mais ça n'a pas une priorité ça, pour combattre la drogue. Pas une priorité ça. Priorité, c'est venir apprendre le Coran, venir apprendre le Hadith. Non, jamais nous dévalorise ce travail là. Ce travail, combattre la drogue là. C'est une partie intégrale dans Dine, ça. Dans Ordonne le bien, empêche le mal. Et comme nous vient montrer, si il y a un démon qui prend intoxicant, Dine enlevé dans lui. De ce laca, sa famille détruire. Sa famille n'est détruite avec ça. Ses enfants, il pas. Hein, Dine n'a pas. Dine a allé. Alors, veut dire que tout ça va être travail là, il faut une partie. Ordonne le bien, empêche le mal, il est vaste. Il y en a beaucoup de branches. Il n'est pas juste noir, si je une caméra, ne peut faire un programme, ou bien d'avance dit. Non, ça va être du monde qui est au chemin, qui peut aller de bande droguée, qui peut la guerre contre la drogue,
fait un rassemblement pour dénoncer la drogue, c'est font partie de la dîne à l'islam. Ça, les font partie de la dîne à l'islam, ne pas gagner le droit de dévaloriser ce travail-là. Donc, frères et sœurs en islam, nous trouvons la drogue, il y a une parole qui dit elle amène de toutes les vices. Un démon, quand il prend un toxicant, ça détruit sur la vie, détruit sa famille. Donc, tout ça là, dîne à l'islam, fini enseigne nous depuis combien d'années de cela, aujourd'hui, dans la société, combien de gens qui boivent le volant, combien de gens je tape avec les autres gens, je prends la vie des gens. Combien il y a ça? Beaucoup. Bien souvent, nous t'en dit. Des gens là, tu n'as qu'à faire alcooler avec lui. Il y a des gens le volant, avec ce le tout. Quand tu fais alcooler, tu as l'alcool le disant. Et là aussi, ban qui peine iman, je pense accepter pour dire que des gens pas besoin pour un toxicant. Je dis non, une quantité acceptable. Et comment nous connaissons, ça qui se fait, une fois que monde rentre là-dedans, bien, il y a une belle probabilité qu'il devienne un addict avec ça qui se là. Encore plus, ben, les autres, la drogue, encore plus. Donc voilà, frère, sur l'islam, un petit peu concernant ce hadith-là, c'est qu'il nous faut faire attention aussi. Surtout, ben, jeune, n'a pas goûté n'importe quelle affaire. N'a pas. Et surtout, du monde qui commence par cigarette. Après, il y a le goût de les autres quittures, finalement, ils rentrent dans, ils deviennent addicts avec sa quittures. Alors, comme ils nous trouvaient, ben, jeunes, je disais, c'est infini, je courage infini. Avec ça, ça s'appelle tombe dans la boisson, ou bien, nous sommes capables de dire aussi, y compris là-dedans, ben, la drogue, ben, intoxicant. Donc, Allah, il protège nous, il protège nos familles contre sa grand fléau qu'appelle. Être alcoolique, vin, ben, du monde qui prend l'alcool et aussi ben, qui prend la drogue, Allah protège nous contre ça, protège nos familles, protège nos ben, jeunes contre ce ben, danger-là, qu'Allah fait nous bénéficier. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.